Oui, je disais bonjour, j'ai cherché un mouchoir, tout ça, voilà, j'ai mon truc. Et oui, ça va très bien, avoir la vidéo YouTube. Et toi, comment vas-tu? Vrai que je m'entendais pas dans mon retour en plus. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre un Doliprane maintenant? Oh, j'ai que des 1000 G, ça me fait chier, putain. En même temps, les 500 G, c'est de la merde. Les 500 G, c'est bien quand t'as un rhume, en fait. Pas comme là. Bien, bien, bah écoute, parfait. En fait, les 1000 G, c'est assez costaud. Il y a des gens, ça les endort. Genre, ça fait effet somnifère, mais genre léger somnifère. Parce que je rappelle, les somnifères ne vous endorment pas de base. Hein. Somnifères de base, ils vous. En fait, ils vous calment juste, en fait. Ils vous relaxent. C'est ça, en fait. Ils vous détendent. Il est vrai médoc qui endorment, mais il faut les. Sous prescription médicale. Et oui, j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, je sors de la douche actuellement. J'ai pas compris. Je suis allé dans ma douche. J'ai lancé. Il était 34. J'ai lancé une playlist de 10 minutes. C'est un truc que je fais, je mets des playlists de 10 minutes. Dès que c'est fini, je sors de ma douche en fait pour éviter de rester trop longtemps dedans. Et il était. Et je vous jure, il était 54. J'ai pas compris. Bon, j'ai pas dû faire gaffe à l'heure. Mais ça me rappelle une fois, je suis allé au ciné. Avec Rosaline d'ailleurs, putain. On était allé voir A Ghost Story. Pour la petite histoire d'ailleurs, la double histoire en fait, on devait aller voir Jumanji et finalement on était allé voir A Ghost Story en fait. Voilà. Alors pourquoi on n'est pas allé voir Jumanji? Je crois que j'étais pas hype et en même temps il y avait autre chose en fait qui nous a fait chier. Et du coup on est allé voir A Ghost Story, c'était très très bien Ghost Story. Mais c'est pas du tout Jumanji. Jumanji c'est un film fun et on rigole et tout. À quand pour aller boire un coup? Un jour. Papa. Et Ghost Story, c'est un film vraiment drame, quoi. Ça raconte des trucs, ça parle du temps qui passe, tout ça, quoi. Mais elle a kiffé. Et pourquoi je raconte cette histoire à la base? Je sais même plus. Si, parce qu'en fait, on est rentré dans le cinéma à 21h, je sais plus combien. On est ressorti, c'était minuit. Alors que le film ne durait qu'une heure. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de pubs, on s'en est pas rendu compte. Mais putain, ouais. Trop bizarre. Voilà. On raconte ma vie toujours. J'ai une playlist. Voilà. Je fais une playlist. Alors là, pour le coup. Attends quoi? Je crée un perso. Comment on vérifie son email et le numéro d'hôtel? J'en sais absolument rien. Voilà, attendez, je lance le jeu. Du coup, je me suis dit, je vais avoir 10 minutes d'avance, j'ai pris ma douche pas trop tard. Et en fait, non, niqué. Ouais, j'ai reçu un autre message. J'ai pas reçu nouveau message. Ouais, tu m'as dit deux fois Warlock, j'ai reçu ton message en fait. C'est comme Facebook. Facebook, t'as des notifs téléphone, tu les dégages et quand tu les dégages et que tu mets. Oh, j'ai un cadeau. En vrai, il est super moche, on est d'accord. Du coup, je vais le donner à. Oh, je l'aime bien avec. Non, je l'aime bien avec son chapeau aventurier. Je trouve que ça lui va bien. Docteur Bunker, sûr, je vais le supprimer. Iron Storm, je sais pas, parce que je trouve quand même classe Iron Storm. Et Azunder, non, Azunder, je l'aime beaucoup trop. T'as créé un nouveau perso? Ouais, j'ai créé un Ossa. En fait, je te laisse plein de persos si tu veux. Et l'Ossa, je suis 100%, 100% satisfait, putain. Tu vois, je me dis, j'aurais créé un au début. J'aurais créé un Ossa au lieu d'un ennemi. Franchement, j'aurais pas regretté. Vous allez voir, mes cheveux, ils sont trempés et tout là. Donc, ils sont tout. Tout filandreux. Mais après, vous allez voir.
vont devenir tout lisses. J'aurai des cheveux magnifiques. Pas du tout, je mens. Bon, on va faire comme hier, la strat. Sur mon job depuis 10 ans, MTR. Bah écoute, en vrai c'est bien. Moi j'aime pas avoir trop de perso, mais j'adore m'en créer. Du coup, tu comprends que c'est chiant pour moi. Ennemi. Feu. Level. Ah non, c'est mentir, 70. Level 68. Dispo. Pour. Pour aider. Je ne demande rien en échange. Bon, pour aider, j'espère qu'on va surtout me demander des donjons en fait. En plus, on a quand même fait le truc des couacs, hein, hier. Recrute donjon Mrs. Freeze Ali 97. MP moi, ça crie 200, une place, et boss, si possible. Ça a l'air un peu trop déter, ce donjon là. On peut me passer le corbac avec succès. Attendez, je sais où je veux aller. Je vous montre. On dit que t'as toujours ton job depuis 10 ans, ça veut dire que t'as qu'un job depuis 10 ans ou ça veut dire que tu as le même job depuis 10 ans mais t'as d'autres persos à côté? Peut-être que j'ai très mal posé ma question, dans ce cas je suis désolé. Ah le nez. Moi je vais aller ici. Ah, Sufokia. Sufokia. J'aime bien le nom Sufokia. L'île de Tomai. C'est ça où je vais moi, c'est l'île de Tomai. Zap vers Sufokia, c'est parti. Je suis jamais allé à Sufokia. Je crois que oui, en plus, je suis vraiment jamais y allé. Attends, ça aurait été cool de faire ça à deux, mais je suis pas sur le même serveur. C'est chiant qu'il n'y a pas de truc inter-serveur sur Dofus, et je trouve ça vraiment casse-couille, pour le coup. J'ai fait depuis 10, après j'ai monté un SRAM 143. Kra, Eni, Eka, mais Yob, je vais faire c'est plus beau. Hein. Yop, j'aime bien. Je suis pas super fan, mais j'aime bien. Tu vois, je vais faire une tier list des persos que je vais le plus aimer pour l'instant. Yop, il serait en B. En vrai, il serait en B, ouais. En A, je sais pas qu'est-ce que je mettrais. En S, Eni, Osa, direct. En rap, c'est tout peu normal, du coup. Ah, quoi, Cooper Mage, en vrai, il y a un truc Cooper Mage, moi, que je trouve vraiment classe. Déjà, je trouve la classe vraiment très sympa à jouer. Et ensuite, je trouve que les animations des sorts sont vraiment très très belles. Et ensuite, encore une fois, je trouve qu'il y a un truc qui est bien avec Cooper Mage, c'est que c'est super adapté pour le multi-élément. Et le multi-élément, je trouve que c'est un gameplay qui m'intéresse. En vrai, j'aime bien le petit Lapino à la place du truc. Il fait pas trop tâche. Je veux dire, il fait un peu tâche. Non, il fait pas trop tâche, ça va. On va pas dire non plus qu'il est parfaitement incrusté, mais en vrai, il fait pas trop tâche. Enfin, les follows, c'est pas des follows, c'est les mecs qui regardent les live, les viewers, voilà. J'ai vu le nom. Je sais pas si c'est balèze, ça.
Ça a l'air balèze quand même. On peut les attaquer eux? Non, on peut les attaquer. Attendez, juste parler à un gars. Je suis un des 40 percepteurs de la guilde de Nidhogg. Ah, ils en ont plusieurs! Ça, je savais pas. Je suis défendu par l'alliance Blue Brother, corporation connue également sous l'abréviation BBC. Je peux stocker jusqu'à 1600 potes d'objets en prospection de 380 me permet de générer des objets en combat. Ma sagesse de 0 me permet de faire progresser ma guilde. Actuellement, j'ai amassé. Point d'expérience, en fait. Estimé s'élève à 80. Oh putain. Et ça, c'est l'argent que tu gagnes quand on le tape. Bienvenue à toi, Bignou. Du coup, tu montes à perso, Bignou, t'es motivé? Je joue pas d'office. J'ai pas joué d'office pendant un an et je me rends compte que j'ai 5 millions d'euros en banque. Pas pour vite mon gars, pour tes autres persos. Attendez, je trouve que je suis pas du tout au bon endroit. Je crois que je suis absolument sûr en fait. D'accord, j'ai totalement loupé ce qu'il y a. Attendez, peut-être pas. Ah, attendez. Putain, il est chiant ce nez. Le joueur avant, ça allait trop bien, il était complètement débouché. J'ai l'impression qu'il est en train de... Ah, heureusement que j'ai pris du sopal. Je suis un génie. Est-ce que Suffocas c'est beau du coup? Pour l'instant c'est assez classique. Attendez, je me cache. Pour me moucher. C'est quoi ton pseudo in-game? Voilà. Moi quand j'étais petit, je croyais que les banques, c'était un endroit en fait quand tu mettais de l'argent. Genre en fait la banque, quand j'étais gosse, je pensais que c'était un endroit quand tu leur donnais de l'argent. Et ben tu repassais un an après et il te donnait plus d'argent en fait. Je crois vraiment que c'était ça en fait le système de la banque. Alors je vais peut-être mal expliquer mais en gros, pour moi si tu leur donnais 100 balles, si tu reviens dans un mois, genre ils vont te donner 10 balles donc c'est pas rentable, mais genre si tu reviens dans un an, ils vont te donner genre 120 balles quoi. Genre je pensais que c'était vraiment ça une banque quand j'étais gosse. Alors, pas du tout. Par contre, c'est quoi l'île, longue île? C'est Automail pour moi, c'est sûr. Il n'y a que ça. Temple des Alliances. L'île d'Automail, c'est bien ça. Tu veux une astuce, Kama? Bah écoute, vas-y, hein. Pire, les autres du chat en profiteront si moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vas-y, dis, toujours. Parce que ça peut être intéressant. Après les câlins, c'est surtout pour du stuff en vrai. Ah, maintenant c'est là. Je suis con. Bienvenue. Attends, je t'ai le bignou. Ah non, en privé. Ah. Bah écoute. Ça me fait chier que ces fournitures, lui. Vous savez que j'adore les quêtes. C'est fou. C'est quoi ça? Ça, pour le coup, la quête m'intéresse. Ah, voilà. Vaincre Capitaine Craddock. Non, pas vaincre, parce qu'on a ramené Capitaine Craddock, puis de ses âmes, oreilles de fou, d'ailleurs, trop boulé. Je sens que ça va être chiant par contre. Non, putain. Oh non, putain. Non. Pas ça. En privé, du coup.
Ok. Mais je ne suis pas sur ton serveur, Warlock. Mais c'est super sympa. Non mais attendez, c'est un peu de la merde. Gros boulet. Gros boulet, pour le coup, j'en ai jamais entendu parler, donc ça fait vraiment chier ce truc-là. Ah, c'est des porcas, ça va. Par contre, j'ai déjà tapé des porcas. Et des héros mobs aussi, donc ça va. Encore, quand c'est à côté, ça me dérange pas. Alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est? Ouais, allez, c'est à côté avec les porcas, on va aller faire ça. Et huile de sésame. Oui, mais on l'a comment, l'huile de sésame? Ah, paysan. Graines de sésame, ok, ça marche. Bon, ça a pas l'air trop compliqué, c'est chiant au niveau des apps. Faudra se TP, se TP, se TP tout le temps. C'est très chiant. C'est quoi ça? Portail Eutrope. Mais les portails Eutrope, il y en a partout en fait. Enfin, partout. Il y en a deux endroits différents. Il y en a un autre là, ouais. Après, c'est pas super envahissant. On va pas se mentir. Moi, j'ai déjà... Alors moi, quand j'étais gosse, sur France 3, je raconte ma vie, je regardais la série Wakfu, et pour moi, il y avait déjà un personnage qui était un héliotrope, et j'étais persuadé que c'était un Xelor, d'ailleurs. Genre, je me levais trop tôt le matin pour regarder ça, et je kiffais trop ma race. J'ai regardé que la saison 1 et jamais continué après. Non, je peux pas transférer le perso. Bah, comme tu veux, mec. Hein. Fais ça surtout pour toi. Ah, bah, excuse-moi. C'était un héliotrope, pas héliotrope sur Wakfu. Ah, il y a une différence. Ok. Connaisseur. Moi j'aimerais bien me remater la série en fait. Dans l'animé c'est Héliotrope, dans le jeu Héliotrope. C'est bizarre. Ouais c'est bizarre, mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence hein. Trop classe la monture Dragodin d'Arc-en-Ciel. Moi je la veux trop. Alors attendez. C'est là où je vais, lol. 784 ans. C'est chaud. C'est chaud le prix en vrai. Pas se mentir. Pleine de porcas, parce que il doit taper d'avoir des porcas. Donc je me dis en théorie. Voilà. Trop cher pour transfert, c'est 9000 au canon. Ouais, le fais pas, mec. Non. En tous les jeux, c'est abusé les transferts. Attends. Comment on a le sort d'invocation d'ailleurs de l'arachné? Je pense que c'est en faisant toutes les quêtes du tour du monde en vrai. Parce que ça a l'air quand même bien d'invoquer une arachné. Pas se mentir. Alors en théorie, les porcas c'est nul à chier. En théorie, hein. On peut nous ensemble, please. T'es niveau combien, mec? J'ai peut-être monté des niveaux avant. C'était vraiment trop bas level de monter des niveaux avant. Et au pire des cas, les gars, je rejoue demain. Je bosse pas demain, mais je pense que je vais quand même que live le soir et pas l'après-midi. Je dis ça, mais sauf que je vais live l'après-midi, en vrai, j'en sais rien. Je peux absolument rien faire. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Genre dans le jeu. Je dis bien. Et mon chevalier qui est pas là, mais c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je pouvais faire et je l'ai pas fait. Et quoi? Putain, ça me stresse. C'est horrible. Je sais pas. Je viens de créer un perso. Il y a qui essaie d'XP quand même un peu avant. En plus, c'est facile de monter niveau 30. Niveau 30, tu es rapide. Moi, j'étais en 1 heure, 2 heures, j'étais niveau 30 avec mon ça. Et là, si tu veux, je live jusqu'à minuit. Comme hier.
Ou alors, si je lève jusqu'à 23h, après, je fais toujours une pause juste de 5-10 minutes, histoire de changer de jeu, je vais sur un autre jeu. Et si je vais sur un autre jeu, je sais pas c'est lequel. Si tu fais PL, ça va encore plus vite. Comment tu fais pour être level 30 en une heure? Non, 2h, c'était plus 2h, j'ai dit de la merde. Mais sinon, si tu te demandes comment je fais, en fait, si tu veux un Kernam, je vais directement taper les feux follets là qu'on voit au début, jusqu'à avoir la cape. Une fois que j'ai la cape, je vais taper les bouffetous ou les fleurs. Une fois que sur les fleurs j'ai eu l'objet aventurier, et que sur les bouffetous aussi, et que sur les trucs de flotte et que sur les chats je l'ai eu, je vais taper les chasseurs. Et dès que j'ai toute la panne aventurier, je commence le donjon d'Akarnan. Là, je vais totalement crever. Et je le fais en boucle en faisant les succès, en fait. Et au passage, tu fais les succès, d'ailleurs, d'Akarnan. Faire des défis contre les bouffous, tous les champs, les trucs de flotte, tout ça. Et tu XP super vite, mec. C'est vraiment pas des conneries que je te raconte. C'est comme ça que je fais pour mes personnes. Et d'ailleurs, vous prenez ça comme conseil. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, ça a toujours marché. Ok, là que je fais ça. Après, même c'est niveau 30, même niveau 20, 25, hein, tu peux venir avec moi. Ça va être vraiment chaud pour toi, mec. On pourra faire des petits donjons si tu veux, genre. Enfin, des petits donjons. Grosse guillemets. Bah, petit donjon bouffe tout si on peut le faire. Est-ce que t'es abonné, Bignou? Mais qu'est-ce qu'il foutait là-haut, lui, en vrai? Putain, il est vraiment de plus en plus con, quoi. Je crois que moi aussi, je vais commencer à faire comme les mecs sur les forums d'Ofus. Je vais commencer à faire des... À créer des pages sur les forums pour parler de ce lapin de merde. Je vous invite à taper Lapino, enfin Dofus Lapino, sur Google. Les premiers trucs sur lesquels vous tomberez, bon, c'est le bestiaire, et les autres trucs, c'est des forums où les gens, ils parlent du lapino et son comportement d'abruti congénital. Je vous jure, c'est vrai. J'étais choqué de voir qu'il y en avait autant de posts. Non, je suis pas beau. Ok, bah on fera, on bouffe tout. Mais sois au moins niveau 20. Je vais vraiment te faire mais dépecer, quoi. Dépecer instant, t'as coup de dent, tu seras mort. J'aimerais quand même que tu fasses un peu quelque chose, que tu fasses pas vraiment chier, que tu sois pas juste là pour te faire taper et tuer. Que ça soit pas méga fun, en fait. Surtout pour toi. Je sais même pas où je suis, en fait. Je vous avoue, attendez. D'accord. Non, je me cherchais plus là ou là, en fait. Pour le coup, la botte d'office, en plus, il est pas cher, je trouve. Je m'abonnerai pas tout le temps, mais je trouve pas cher. Je pense que je vais faire quelques pauses. Genre, la semaine prochaine, je pense que je vais faire une petite pause d'une semaine. On va faire autre chose. Et après, on reprendra une semaine de d'office. Voire 2, voire 3, voire 1 mois, tout ça. Attends, quoi? La meilleure strat pour XP sans compter le PL, c'est les succès. C'est quoi le PL, en fait, mec? Je ne connais pas ce terme. Mais oui, je suis d'accord, il l'a boosté, j'allais dire pourquoi il le tape. Donc tu fais exprès par des mecs. Ok, sur de gros groupes de mobs en gros. Ou des gros donjons, d'accord. Je t'avoue, comme ça a pas l'air méga fascinant. Genre moi ça me hype pas. Genre là il y a un mec qui me dit vas-y gros, viens on va faire je sais pas un donjon de ouf. Genre viens on va faire je sais pas moi. Allez, un donjon de niveau 200 par exemple au pif. Je lui dis en vrai, bah non, ça m'intéresse pas. Franchement, je lui dis honnêtement, ça m'intéresse pas. Je trouve ça pas intéressant de te regarder jouer en fait et de me faire taper. Même hors live, je pense pas que je le fais. Bah, c'est bien pour les gens qui ont pas envie de perdre de temps à XP. Après, chacun fait sa vie, hein. Faut pas. Les gens, voilà, faut les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça fait de mal à personne. S'ils ont envie de s'XP, eux, ils le font comme ils veulent. Moi, j'ai rien contre ça, franchement. C'est juste que moi, personnellement, je ne ferai pas ça.
Ça niquerait mon expérience de jeu en fait. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, je sais plus c'est qui, je crois que c'est toi Gameclam qui m'avait dit. C'était, ça se peut que ce soit pas toi, il y a beaucoup de gens qui me parlent et qui me disent des trucs intelligents, voilà. Mais quelqu'un qui m'avait dit, le problème des gens qui sont boostés, c'est qu'après ils savent pas jouer leur perso. Et donc tu te retrouves avec jouer avec des mecs qui sont plus de niveau 100, entre 100 et 200, qui savent pas jouer en fait. Et c'est infâme. Et j'ai pas envie d'être un mec comme ça, quoi, qui sait pas jouer. Enfin, ça me fait chier, quoi. De pas savoir jouer mon perso. Je crois que c'est, je sais plus si c'est toi qui me dis ça. Et c'est très chiant d'ailleurs. J'imagine. Bah, je pense aux autres jeux, aux autres MMO auxquels j'ai joué. Le meilleur XP c'est Free Ghost. Un en team de 4 ou 6 si tu passes en. Tu passes en un jour level 80-90. Putain. C'est assez vénère Free Ghost. Je sais pas c'est quoi le record de speedrun d'Ophus. Je crois que c'est 2 heures pour être niveau 200, mais le mec a... Enfin, faut voir les speedruns hein, sur YouTube. Hein. Faut... Les speedruns, c'est des trucs de ouf. Et encore, c'est un vieux speedrun que j'ai trouvé. Merde, il est plus là. Je suis con, il est mort. Hop. Mais Frigos, déjà à l'époque, hein, moi quand j'ai joué, Frigos, c'était la base. Hein. Mes potes, ils allaient tous à Frigos pour se faire up en niveau. Moi, je voulais pas, ça me faisait chier, en fait. Taper des monstres random. Ça, d'ailleurs, c'est un peu après ça en fait que j'ai commencé, que j'ai arrêté Dofus. Parce que je me faisais de plus en plus chier sur Dofus, déjà parce que mes potes se passent sur Free Ghost, se faire monter en niveau par des mecs. Et ensuite, je m'étais barré du collège parce que j'étais parti faire mes études dans les soins du coup. Et Dofus me lassait un peu quoi. Je voulais découvrir un peu d'autres jeux. Maintenant c'est vieux les dimensions. Frigos c'est un peu démodé. D'accord. Mais c'est de la merde. Trident cassé. Ça me rappelle que For Honor est un super jeu qu'on peut pas y jouer parce qu'on PC refuse de le faire en live. Je crois que même hors live, je crois que c'est mort. For Honor. For Honor j'adore ce jeu. Je crois que c'est le jeu où j'étais le plus salé en live parce que j'arrêtais pas de gueuler parce que mon perso faisait de la merde. En fait je vous explique, mes gâchettes de ma manette, ils sont méga lourdes. J'ai pas ma manette sous la main là. Et les gâchettes sont mais larges comme ça, je vous jure c'est vrai. Les gâchettes L2 R2. Parce que L2 R2 c'est des touches pour parer et attaquer en fait. Et c'est infâme du coup. Enfin pas parer, pardon, c'est fait pour attaquer je sais plus quoi. Et c'est pour les coups légers et les coups lourds je crois. Je sais plus du tout. Et enfin voilà quoi. Astrub, forêt d'Astrub. Putain, c'est en loin la forêt d'Astrub. Je cherche les cavaliers, moi. Oui, mais ils sont trop nombreux, là, attendez. Mais c'est bien les cavaliers que je dois taper. Hein. Comment débloque, tu que c'est pas mal. Ah, merci, Warlock. Putain, il y a tout le monde. Il y avait des gens, ils ne arrêtaient pas de demander de passer sur ma live. Pourquoi tu tapes des Bwork? C'est nul, les Bwork. Mais les mecs, vous avez pas vu l'XP que ça donne, les Bwork? Merci. Attends, juste moi, j'ai la suite. Pas mal, ça rapporte un peu, par contre ça frappe un peu plus fort je crois. Non mais c'est trop bien les Bworks. Les Bworks c'est juste, je trouve, franchement les Bworks je vais le dire, c'est le meilleur endroit pour Pex. Je trouve qu'à mon niveau c'est vraiment le meilleur endroit pour Pex. Pourquoi alors je vais pas les taper? Parce qu'il existe les... Parce que j'en ai un peu marre et puis les Bworks mages m'ont un peu trop cassé les couilles. Mais à deux, les Bworks c'est génial. C'est... Y'a personne qui Pex là-haut du coup, t'as toujours le petit coffre vert là-haut. Et ça te fait toujours 30 000 d'XP quoi. Alors que cet album est vraiment chelou, je sais pas pourquoi il est encore dans la playlist. Parce que je manque de musique. Non, non, c'est un bonheur les Bwork. Est-ce que tu scams? Trop bien ton logo Illuminati. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans la vraie vie, je parle en vrai, en face à face, vous avez déjà parlé des vrais théoriciens du complot? Mais genre vraiment les vrais théoriciens du complot, genre ouf quoi. Moi j'ai rencontré une fois un mec qui a essayé de me convaincre, mais genre c'est tellement embarrassant qu'aux États-Unis c'était dirigé par des reptiliens. Je suis désolé, c'est des gens qui croient aux théories du complot, mais moi j'y crois pas du tout. Et même si en vrai c'est vrai, bah ça change rien aux vies quoi.
En vrai, pour te dire, c'est, franchement, c'est pas ouf les Bourgs. Mais je trouve que c'est vraiment cool les Bourgs. Attendez. Je cherche le taux de prospection. Mais c'est bien les cavaliers déjà. Mais j'arrive pas à trouver le taux de le drop. Squeezie à fond là-dedans, il a fait une vidéo MDR. Ouais, mais Squeezie, est-ce qu'il y croit vraiment? Parce que je sais que Squeezie a fait une vidéo sur les pyramides et après il a fait une autre. Il a fait un tweet pour s'excuser, pour avoir dit de la merde. Parce qu'il a désinformé des gens, il voulait pas faire ça. Enfin, c'est vraiment ce qu'il disait était vrai en fait. C'est con qu'il l'ait pas dit en vidéo, mais il l'a fait quoi. Parce que c'est Defecator, un mec que j'adore, qui avait fait une vidéo pour expliquer pourquoi Squeezie disait un peu de la merde, genre trop gentil et tout. Defecator, il est génial ce mec. Non, c'est pour les bases, mais voilà. Moi, je pense que Squeezie, c'est quelqu'un qui est intelligent et qui sait ce qu'il dit. Après Squeezie, je regarde pas. La dernière vidéo que j'ai regardée de Squeezie, pourtant c'était intéressant, je sais plus c'était quoi. Enfin bref, on va parler de Squeezie, je trouve pas que c'est un sujet très intéressant. En vrai, je vous avoue un truc sur cet album-là. Je le trouve pas ouf. Il est là juste parce que il me manque des musiques. Et le truc que j'aime dans cet album-là, c'est la première musique. Et vous avez pas vu la pochette de l'album, mais la pochette de l'album est vraiment très chelou. C'est... merde, j'ai invoqué lui, je suis con. Généralement, dans Vaporwave et en électronique expérimentale, les pochettes de l'album sont toujours très bizarres. Gros boulet, t'as 2% de base. Putain, c'est de la merde. T'es en train de me dire que je vais galérer à l'avoir? Peut-être que Roll Map, c'est moins. Non, ça me fait rire que Roll Map, maintenant, c'est un mob random à la con. Alors qu'à la base, c'était quand même un boss avec Mob l'éponge. Moi, j'ai toujours mon souvenir d'avoir fait. D'avoir battu Roll Map avec mon pote au quiz. Ils sont pas de mythe. Oui, je suis en t-shirt en fait. Un truc à la con, genre j'avais la crève hier et avant-hier. Et là, je suis en t-shirt. Je suis plus à l'aise là, comme ça. Voilà. Faut fêter les 1 an aussi, j'ai pas dit, mais faut fêter les 1 an et c'est samedi. Les 1 an de stream. Et je sais pas quoi faire. J'ai pas la case de mes idées, il m'a fait mouais. Mouais. Mais je suis d'accord avec lui, mouais. Tu es sur ton oeil, c'est ça. Ouais, totalement ça. Mais je suis complètement d'accord avec Case, mes idées sont mouais. En fait, mes idées, c'est... Enfin, il y en a qu'une, parce que l'autre, je vais pas du tout la faire, parce que je trouve ça vraiment trop de la merde. Ça serait faire 12 heures de Dofus.